Les relations dites toxiques sont souvent la cause de souffrances dont on ne comprend pas l'origine. Ces relations malsaines et destructrices peuvent être amicales, familiales, amoureuses ou encore professionnelles. De façon insidieuse, certaines personnes ont pour seul but de manipuler, dominer et finalement détruire. Petit à petit, la relation empoisonne celui qui en est la victime. Le manipulateur tisse sa toile et son emprise est telle qu'il devient très difficile de s'en défaire, même des années après. Colette a été élevée par une mère dominatrice et imprévisible. Pendant 60 ans, elle a attendu en vain l'amour de cette femme. Une mère qui lui a gâché la vie au point que Colette se sent aujourd'hui délivrée par sa disparition. Je sais que ça peut choquer les gens, mais depuis que ma mère est morte, je vis, je suis moi. Je l'avoue, il m'arrivait, quand elle avait été trop infecte avec moi, de me dire si seulement, juste à la fin de ma vie, je pouvais juste qu'elle meure juste avant, juste un an avant moi, que je puisse juste savoir ce que ça fait d'être libre. Lorsque Marie est tombée sous le charme de son futur compagnon, elle ne s'attendait pas à le découvrir autoritaire et manipulateur. Dénigrée en permanence, Marie a mis plusieurs années à comprendre que cet homme était ce que l'on appelle un pervers narcissique. Il me disait, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je sens que ça part, il faut que j'aille au bout de ma colère et j'arrête quand l'autre est à terre. En espérant sauver son mariage par une thérapie de couple, Bernard est tombé dans le piège d'un faux thérapeute. Pendant 22 ans, il a exercé sur lui une emprise mentale, physique et financière en utilisant la méthode des faux souvenirs induits. Une méthode qui consiste à convaincre le patient que sa souffrance est liée à des traumatismes oubliés. Le sentiment qui nous fait retrouver, c'est la haine. Il nous fait hurler, crier « Maman, je te hais, maman, je te hais, maman, je te hais ». Et quand vous avez vécu ça pendant 3 semaines, vous sortez et vous haïssez votre mère. Et aujourd'hui, je me demande encore s'il y a moyen d'y échapper. À 30 ans, Camille a décidé de couper les ponts avec son père, une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Irréprochable en société, mais qui change totalement de visage en famille. Non content de dénigrer leur mère, l'homme s'est aussi employé à diviser Camille et ses 4 frères et sœurs. On a un père toxique qui nous apprend à être toxique entre nous. Il nous apprend à critiquer l'autre, à lui faire mal, parce que ça le fait rire. Et nous, on a tellement envie qu'il nous aime qu'on rentre dans son jeu. Il est toujours difficile d'établir la preuve des manipulations mentales qu'exercent les personnalités toxiques. Dans le cadre d'un couple, elles se traduisent souvent par de brusques changements d'attitude, des remarques blessantes et des insultes distillées pendant des années qui font progressivement perdre à l'autre toute confiance en lui. Marie et Brigitte, que je retrouve aujourd'hui en banlieue parisienne à Saint-Denis, ont toutes les deux été victimes de ces comportements. Avec ceci de particulier que leurs histoires sont liées entre elles, puisqu'elles sont belle-mère et belle-fille. Marie était la compagne du fils de Brigitte. Il fait attention dans tout ce qu'il fait. Il a trouvé ses marques, il a trouvé ses marques très rapidement. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Marie, comment allez-vous? Très bien Olivier. Bonjour Brigitte. Marie et Brigitte disent toutes les deux avoir vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique. Deux hommes, un père et son fils, qui ont eu les mêmes comportements destructeurs, comme une malédiction familiale qui semble se répéter. On a un peu la même histoire quelque part, donc quand on se parle, on a un bien. Peu le même langage et on sait qu'on se comprend sans avoir d'a priori. Mmh. Et puis je pense qu'on s'en traite quand même assez. Quoi. Vous avez visiblement vécu, sans trop le savoir, on va voir, sans le découvrir tout de suite, la même histoire avec deux hommes que vous qualifieriez. Comment est-ce que vous en parleriez de ces hommes? D'abord Marie, comment est-ce que vous parleriez de votre ex-compagnon? Un homme que j'ai beaucoup aimé assez rapidement, que j'ai cherché à comprendre, que j'ai excusé, que je veux fuir maintenant. Mm-hmm. Voilà. Il a dévoilé sa vraie personnalité.
au fur et à mesure de la relation, avec une volonté machiavélique de détruire. Devant nos amis, j'avais droit au plus beau compliment, t'es la plus belle, t'es la bleue. Et le retour à la maison était toujours bien différent. Des insultes, il se fermait assez très rapidement au retour à la maison. Et c'est ça en fait qui est très difficile, c'est que on est toujours entre le chaud et le froid. Sous tension. Donc on cherche, on se culpabilise parce que on se dit mais s'il est comme ça à l'extérieur et si il est pas comme ça, s'il est différent à la maison, c'est qu'on a dû dire quelque chose qui lui a pas plu. On pose des questions, on essaye de comprendre et on se heurte à un mur en fait. Vous étiez très amoureuse l'une comme l'autre de vos conjoints. Hein. Oui. Brigitte, vous, est-ce que vous avez pu faire le parallèle avec votre propre histoire à l'époque ? Pas du tout. Je sais que ma relation était assez souvent très, très difficile et je ne savais pas mettre de mots dessus. Et c'est seulement quand on a parlé un petit peu justement avec ma belle-fille qu'on a commencé à mettre des mots dessus, parce que quelque part, c'était vraiment un déni de tout ce que j'avais vécu comme chose grave, gravissime. C'est comme si j'avais oublié. Oublié, mmh. Je ne sais pas si on peut dire volontairement, je n'en sais rien, je ne sais pas l'expliquer. Et tout ça, c'était enfoui. Déjà mère d'une petite fille, Marie a 43 ans lorsqu'elle tombe amoureuse d'un homme de 7 ans, son cadet, un homme charismatique et prévenant pour qui elle a un véritable coup de foudre. Mais quand elle s'installe chez lui, Marie le découvre sous un tout autre jour. L'homme a des principes et à la maison, il y a des règles à respecter. J'ai très très vite senti que pour lui plaire, il fallait que je fasse ce qu'il avait décidé. La femme doit préparer à manger, doit s'occuper des enfants, doit s'occuper de lui. Et ça monte crescendo. Et il arrivait à me convaincre en me parlant doucement du bien fondé de sa démarche à lui. En train de faire la cuisine. Ah oui, mais c'est comme ça que tu devrais faire. Il est tout le temps sur vous. Vous avez des idées de plats. Ah oui, c'est très bien. C'est une très bonne idée, ma chérie. C'est très bien. Et puis, un quart d'heure après, ça change. Petit à petit, j'arrivais plus à être spontanée en fait. Je me disais, est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que lui va dire? Qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il va être content? Donc vous étiez dans le contrôle permanent? Oui, tout le temps. Il était très, très autoritaire en fait. C'était tu te tais et c'est tout. Tu écoutes ce que je dis. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est moi qui ai raison. C'était des injonctions comme ça. Je me dis, si je ne fais pas comme lui me conseille de le faire, il me quittera. Mm-hmm. Donc je mets les bouchées doubles. Je me retrouve au fourneau midi et soir. Mm-hmm. Je fais les courses. J'essaye de devenir une excellente mère de famille. Et j'essaye d'être parfaite. Malgré cette tension permanente, Marie est très amoureuse. Lorsqu'elle est enceinte, quelques mois plus tard, elle pense que son rôle de mère contribuera à équilibrer leur relation. Mais ni la grossesse, ni la naissance du bébé en 2014 n'apaisent son compagnon. L'homme se focalise sur leur fils et continue de la dénigrer. Il se levait la nuit en même temps que moi, donc il était à côté de moi et regardait comment je donnais le sein. Je lui disais plusieurs fois, mais c'est pas la peine de se lever, je me lève, repose-toi. Et me dire, oh non, c'est mon fils. Donc tout le temps à surveiller ce que je devais faire, tout le temps à être de plus en plus, en fait, de plus en plus sur mon dos, en fait. T'es pas à la hauteur, t'es pas une bonne mère, tu sais rien faire. Je perds mes repères. De maman.
tout ce que je peux mettre en place, tout ce que je peux dire, c'est contesté. À aucun moment, vous ne vous dites que ce comportement-là est anormal. Parce que si je me le dis, mais j'essaye aussi de discuter avec lui, de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me parles comme ça, et les réponses qu'il me donne, c'est fais ce qu'il y a à faire et fais le bien. Je dis, mais faire quoi de plus? Fais le bien. Donc moi, je suis encore amoureuse, j'y crois toujours. J'ai un enfant en plus. J'ai cette famille. Donc je considère que tout est de ma faute, en fait. C'est que je n'arrive pas à être comme il veut que je sois, en fait. J'arrive pas à être à la hauteur, en fait, de ce qu'il me demande. En lui faisant perdre tous ses repères, l'homme isole de plus en plus Marie. Il joue sur sa culpabilité, lui reprochant la moindre liberté, la moindre sortie. Marie s'enferme peu à peu chez elle, multiplie les arrêts maladie et finit par rentrer en dépression. Jusqu'à ce jour de 2015 où elle s'absente quelques heures en laissant son compagnon avec leur fils à la maison. Elle reçoit alors un message sur son téléphone portable, accompagné d'une photo. C'est une photo d'une gélule qui est sur la moquette. Et le texte, c'est « Je suis en train de jouer avec mon fils et je vois cet antidépresseur que tu as laissé sous le lit. Heureusement que je l'ai trouvé, parce qu'il aurait pu le manger. » Donc je l'appelle. Je lui dis, mais j'ai pas pu faire ça, c'est pas possible, parce que je suis très vigilante. Donc je rentre et je lui dis, mais je suis persuadée que c'est toi, en fait, qui l'a fait, ça. Il m'a regardée avec un sourire ironique et il est reparti. Donc il convoque la gendarmerie pour signaler une information préoccupante par rapport à notre fils. Il fait appel aussi à la protection de l'enfance. Donc je me retrouve convoquée et devant une assistante sociale et une péricultrice qui m'explique que je suis là parce que une personne anonyme est venue pour signaler, encore une fois, une information préoccupante. Quelque temps après, je reçois un courrier de son avocat, qui dit là clairement que je suis dépressive depuis que je suis enceinte, que mon travail ne me permet pas d'élever un enfant en bas âge, mm-hmm. qu'il n'a pas confiance de me laisser notre fils dans cet état-là. Tout est dénigré, en fait. Tout est. Il y a une réelle volonté de détruire. Alors, il y a un événement qui va marquer la rupture. C'est la découverte d'un cancer. Le diagnostic de ma maladie se fait à ce moment-là, en fait, où moi je sens, autopalpation, je sens une boule. La date de l'opération est fixée. Quel type d'opération on doit vous faire ? Une mastectomie. On enlève le sein, en fait. D'accord. Ça, vous lui annoncez ? Ça, je lui annonce. Et là, il retourne la situation en me disant. Mais je n'entrerai pas dans ton jeu. Tu ne me manipuleras pas. Il me dit que je le fais chier avec mon cancer, qu'il en a marre, que c'est plus possible, que c'est définitivement terminé. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous reprenez le contrôle, en fait ? Oui, je me réveille parce que là, il y a une réalité qui devient plus importante, en fait. Là, je plonge dans l'enfer. Je rentre d'hospitalisation. Je le sentais très énervé, très excédé. Notre fils n'était pas bien, fiévreux, et je le prends dans mes bras, il se serre contre moi. J'ai senti une violence monter en lui, il m'a arraché mon fils des bras. J'avais un bras qui était, suite à l'opération, qui était complètement immobilisé, il m'a tiré par le bras pour me mettre à la porte en me hurlant dessus, en me disant qu'il en avait marre de moi, que j'ai été qu'une conne, qu'encore une fois je le mettais en colère, qu'il fallait que j'arrête.
Et je lui ai demandé plusieurs fois de me lâcher, parce que... parce qu'il me faisait mal et il a rien voulu entendre et j'ai dû le mordre. Et là, il m'a jeté violemment dehors devant notre fils et je suis allée voir la gendarmerie pour leur expliquer. Et ils m'ont dit que c'était moi qui avais eu l'acte de violence parce que j'avais mordu. Et c'est une femme gendarme qui m'a accueillie et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il faut ? C'était de la légitime défense. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que j'arrive avec un bleu, du sang. Et elle m'a répondu, mais vous savez, des femmes comme vous, il y en a plein. Mise à la porte, Marie retourne vivre chez sa mère et partage la garde de son fils avec son ex-compagnon. Mais surtout, elle se rapproche de Brigitte, sa belle-mère, avec qui elle a de longues discussions pour tenter de comprendre le tempérament destructeur de son ex-compagnon. Les deux femmes réalisent alors que leur histoire se ressemble beaucoup et que le comportement du fils rappelle étrangement celui du père, l'ex-mari de Brigitte. On va marcher un petit peu, non ? Un rapprochement qui n'est pas du tout du goût de l'ex-compagnon de Marie. Mon fils me demandait de rompre les relations avec ma belle-fille en me disant que voilà qu'il fallait que je prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Et moi, je disais, mais non, c'est pas possible. C'est, voilà. Et là, il m'a dit, ben, tu as choisi, donc voilà, on ne se reverra plus. On ne se reverra plus. On ne se reverra plus. Et mon ex-mari m'avait demandé aussi d'arrêter de voir Marie. Et moi, je lui ai dit, mais il n'en est pas question. C'est très violent. C'est extrêmement violent. D'autant plus que je pense avoir donné vraiment de l'amour à mes enfants. Pour moi, la famille, c'est extrêmement important. Et donc, c'est vraiment grâce à Marie, aujourd'hui, que je vois mon petit-fils grandir et que j'ai l'impression d'avoir une famille. Comment vous expliquez-vous Le comportement de votre fils vis-à-vis de Marie? Le comportement de mon fils, selon moi, exactement calqué sur celui de son père. C'est-à-dire que je me souviens, j'étais toute seule pour sortir les enfants, j'étais toute seule pour les élever, j'étais toute seule pour les emmener écouter de la musique, faire du vélo. Votre fils a vu ça? Bien sûr. Et donc on peut imaginer que pour cet homme, dans sa tête, la femme a cette fonction-là. A cette fonction de faire à manger, remplir dévouement le frigo, s'occuper des enfants. Selon moi, ni l'un ni l'autre ne peuvent comprendre une relation quelconque d'amour ou de rapprochement comme on peut l'avoir en ce sens. Non. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Donc je pense qu'ils sont incapables d'aimer totalement, oui, ça c'est clair. De son côté, Brigitte me confie avoir divorcé au bout de 17 ans de mariage, épuisée par les violentes disputes qui rythmaient sa vie de couple. Malgré cela, elle est pourtant retournée vivre auprès de son ex-mari parce qu'elle ne pouvait se résoudre à couper totalement les ponts avec le père de ses enfants. Ce sont finalement les épreuves vécues par sa belle-fille qui lui ont ouvert les yeux sur sa propre histoire et qui l'ont décidé à quitter définitivement son ex-mari. Mon ex-mari, par exemple, disait des petites choses contre moi, mes enfants. Donc mes enfants me regardaient comme une bête curieuse, comme si j'étais une mauvaise mère. Ils me rabaissaient continuellement. C'était des critiques, par exemple, sur mon physique, des petites choses. Et ça se traduit aussi par un changement de voix, un changement de comportement. Quelque chose de violent et même si moi je suis quelqu'un, je me laisse pas faire, mais j'avais peur. J'avais très très souvent peur et je me souviens de mes enfants. Mes enfants avaient peur aussi, bien sûr, hein, ça c'est clair. C'est quelque chose de très difficile à expliquer. C'est une attitude, on peut se moquer de quelqu'un simplement par le regard, ouais. On peut se moquer de quelqu'un par un petit mot, on peut se moquer de quelqu'un par un déni, on peut la rabaisser de toutes les façons possibles, mmh. On n'est pas obligé de donner un coup de poing, c'est quelque chose de psychologique. Cette relation que vous avez aujourd'hui avec euh,
votre belle-fille. Est-ce qu'elle est réparatrice ? Certainement, parce que c'est vraiment la personne avec qui je peux parler de ce qui m'est arrivé et qui me comprend. Après, pour moi, c'est aussi destructeur, parce que quand elle me parle de mon fils et qu'elle me dit les violences que mon fils lui a fait vivre, c'est insupportable. Et aujourd'hui, mon plus grand désespoir, c'est de penser que mon petit-fils pourrait subir le même système de comportement que mon fils. C'est ça ma plus grande crainte. Ouais. Et c'est ce qui m'empêche encore aujourd'hui de dormir. Diane connaît Marie depuis plus de 20 ans. Elle a assisté au début, puis à l'évolution de la relation de Marie avec son ex-compagnon. C'est vrai que je t'ai sentie vraiment à un moment donné pas bien du tout. Mais bon, c'était tout à fait compréhensible entre la maladie, entre le fait de se relever de tout ça. Ben, je me suis perdue. Oui. Et vraiment, 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 vraiment. Et c'est ça qui est dur aussi à accepter. Au fil des mois, Diane a vu son amie se renfermer progressivement sur elle-même. Moi, en tant qu'amie, en étant à l'extérieur, je trouvais ça, mais pour moi, c'est pas ça l'amour, en fait. Marie, qui n'est pas du tout une femme casanière, pas du tout... Là, elle restait à la maison, elle faisait le ménage, elle briquait, elle arrivait à faire à manger. Enfin, je la reconnaissais pas, quoi. Ouais. Vous l'avez vue se transformer, cette femme. Oui, non, mais vraiment, femme. Oui. Et elle était dans une spirale, réellement, en se disant de... Je n'existe plus. Et elle était incapable à ce moment-là de m'entendre. J'avais un sentiment d'impuissance en me disant je ne peux qu'écouter. Ouais. Elle était dans un processus qui faisait que il avait tellement d'emprise. D'emprise. Mmh. Et de je vais pas dire d'humiliation parce que c'est un mot peut-être très très fort, mais c'était vraiment il la rabaissait. Le centre, c'était lui. Vous vous rendiez compte de ça? Diane m'en parlait, elle me disait mais sors-le de ta tête, et c'était impossible. Et avec moi, il était toujours très bien, très gentil, très très, très bien, très agréable. À votre avis, il faisait attention à ça? Oui, ouais. Bien sûr, oui. Et je me disais, mais comment elle fait pour supporter ça? Moi, j'aurais tout claqué et je serais partie. Hein. Mais moi, avec à l'aspect extérieur, on dit ça, je suis bien consciente, ouais, qu'elle était dans un carcan et qu'elle ne pouvait pas faire ça. Et je me rappelle la période avant qu'elle ne parte, où elle m'a parlé de moments où elle avait presque plus envie de vivre, quoi. Je me rappelle vraiment bien de ce moment-là. Et vraiment, j'ai eu peur, là. Et quand elle a pris cette décision de partir, enfin, de se séparer, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, bon, elle prend la bonne décision, là. Cela fait désormais un peu plus d'un an que Marie a quitté son compagnon. Avec Brigitte, c'est ensemble que belle-mère et belle-fille consultent à Anne-Laure, une thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences psychologiques. Il y a quelques temps, on se connaît. Je voulais faire un petit point avec l'une et l'autre sur comment vous allez depuis un an et demi. On s'est rencontrés pour la première fois. Grâce à elle, les deux femmes ont pu mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu et commencer à comprendre le processus dont elles ont été victimes. La honte a disparu, le sentiment de culpabilité s'effrite. Mm-hmm. Je reprends confiance en moi, en fait, comme j'étais avant. Ça se manifeste comment ? Par des envies de bouger, de faire des choses avec ou sans mes enfants. De voir mes amis, de m'investir dans mon travail. Voilà, je reprends ma vie en main. Ce qui fait que la spontanéité reviendrait ? Oui, la spontanéité revient, oui. Sans calcul ? Non. Sans se demander si on a le droit ? Beaucoup moins. En fait, la question est toujours là, je me la pose, et je me demande aussi ce qu'il pourrait en penser, ce qu'il pourrait dire de ça. Et après, ça, c'est une pensée qui disparaît et j'ai envie, je le fais. Vous le faites. Vous m'avez l'air fatiguée, Brigitte. Hein. Comment allez-vous ? Je ne dirais pas que la spontanéité est revenue. Je dirais que je suis encore et toujours dans le regard que je porte aux autres. Et moi, au travers de ça,
Aujourd'hui, je n'existe toujours pas, non, ça c'est clair. Si j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ce plan-là, ça sera comme ça, à mon avis, jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Il faudra que je fasse avec. Pour Anne-Laure, Marie et Brigitte ont bien été toutes les deux victimes de ce que l'on appelle des pervers narcissiques. Un terme, selon elle, un peu à la mode, que les médias utilisent souvent abusivement, et en particulier dans les conflits conjugaux. On parle beaucoup trop des pervers narcissiques, on le met beaucoup trop en avant. Qu'on parle de personnes qui sont auteurs de violences, qu'on parle de victimes de violences, qu'on parle de personnalités toxiques, qu'on parle de comportements dangereux ou dysfonctionnels, oui. Qu'on parle de pervers narcissiques, il faudrait le réserver à une certaine catégorie de la population qui est heureusement moins importante qu'aujourd'hui, on le lit partout. Mais alors, donc, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un individu qui est pervers narcissique? Il s'approprie complètement la personne. Un pervers narcissique fonctionne comme un enfant tyrannique, capricieux et insupportable. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de lui est son monde, ça lui appartient. On n'a pas le droit d'y rentrer, on n'a pas le droit d'y toucher et c'est son jouet. Et donc il peut même casser son jouet, puisque la seule quête qu'il a tout au long de sa vie, c'est le pouvoir. Et c'est dominé. Et c'est bien ce qui est arrivé à Marie, c'est bien ce qui est arrivé à Brigitte. Elles se sont fait dominer petit à petit sans s'en rendre compte. Est-ce que le pervers narcissique, finalement, aime? Non. Le pervers narcissique n'aime pas. Il possède. Est-ce qu'il y a un profil particulier de femmes qui vont plus tomber dans ce genre de piège? Toutes sont des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'écoute de l'autre. Et souvent, très souvent, ce sont des personnes, au moment où elles vont rencontrer le pervers narcissique, sont des personnes qui sont dans des situations de fragilité. Dans le cas de l'ex-compagnon de Marie, est-ce que il a pu être influencé par son père et reproduire le même schéma? Donc, il a absorbé le schéma. Très souvent, je rencontre des personnes qui ont été avec un pervers narcissique et qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et quand je leur dis attention au comportement que vous allez avoir avec votre enfant, parce que c'est vous qui allez leur permettre en grande partie de ne pas tomber dans cette perversion narcissique, c'est très difficile pour elles de le comprendre parce que ça va les obliger à se battre. Brigitte et Marie, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dans leur histoire l'intime conviction que le fils de Brigitte, quelque part, a voulu se venger de son père en disant « je serai plus fort que toi, j'aurai une femme et elle ne me quittera pas, j'aurai un enfant, mais un enfant, une chose, quoi, qui va m'appartenir ». Sauf qu'avec Marie, il a été confronté pour lui, dans sa structure de pervers narcissique, à une énorme difficulté, c'est que Marie, elle ne s'est pas laissée détruire. Marie se reconnaît bien dans les propos d'Anne-Laure concernant les risques d'une telle filiation. Elle mène aujourd'hui deux batailles, pour son fils et contre sa maladie. Je sens bien qu'elle est encore fragile, mais que désormais elle le sait, et c'est ce qui lui permet d'avancer. Aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est de faire en sorte que ce schéma qui se répète s'arrête à lui, véritablement. Que mon fils ne soit pas impacté par ça. Et c'est d'être extrêmement vigilante. Ce qui fait de vous qui est la nouvelle Marie aujourd'hui? Une maman avant toute chose. Fière de ses enfants, de ce qu'elle a fait avec eux, de ce qu'elle fait avec eux. Une femme qui a envie de vivre. Et de passer à autre chose. Pour l'instant, le fils de Marie est en garde alternée. Dans quelques semaines, elle va devoir repasser devant un juge et se confronter une nouvelle fois à son ex-compagnon afin de statuer définitivement sur la garde de l'enfant. Marie a aussi déposé plainte pour violence conjugale et, dans l'attente du procès, être reconnue comme victime est déjà pour elle une forme de victoire. La thérapeute de Marie et Brigitte me l'a bien décrit. Les victimes de manipulateurs sont souvent des personnes dans la bienveillance, à l'écoute des autres et en quête d'harmonie.
Un profil qui correspond parfaitement à l'homme que je vais retrouver maintenant à Vienne, dans l'Isère, et qui a payé cet excès de confiance au prix fort. Bernard, bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va. Bernard a été victime d'un faux thérapeute, véritable gourou, qui l'a maintenu sous emprise pendant 22 ans, le menant progressivement vers un désarroi psychique dont il ne s'est pas encore tout à fait remis, même 10 ans après. 22 années pendant lesquelles Bernard a été tenu à l'écart de ses repères familiers et de cette ville où il a grandi. C'est la ville de mon enfance et de mon adolescence, jusqu'au bac. Donc, oui. Et j'y suis revenu il y a 4 ans, 5 ans. 5 ans. 5 ans, au moment où mon père est décédé, malheureusement. D'accord. Vous êtes resté un moment sans voir vos parents. Oui. J'ai basculé sous l'emprise d'une personne qui petit à petit, sans forcément que je m'en rende bien compte, m'a carrément coupé de toutes mes relations, pas simplement de ma famille d'ailleurs, mais de mes amis aussi, de toutes les personnes qui étaient précieuses pour moi et qui avaient du sens dans ma vie. Dans ce film, on parle de relations toxiques. C'est un mot que je n'avais jamais utilisé, mais le fait que vous me le proposiez convient tout à fait. Ouais. Oui, alors avec un peu de recul maintenant, je pense qu'il y a un processus très très bien organisé ouais. qui fait que se met en place ou s'installe une emprise. Mmh. Et une emprise totale, mais à partir donc de... Oui, enfin, sans doute au départ d'une entreprise de séduction, sans doute aussi à un moment où, pour différentes raisons personnelles, j'étais un petit peu déstabilisé ou un petit peu en difficulté, puisque j'étais juste jeune marié et puis que notre couple... fonctionnait pas bien du tout. On va aborder tout cela plus profondément et comme le temps se gâte un peu, nous allons nous mettre à l'abri pour continuer à se parler de tout ça. Vous venez ? Bien sûr. Après 22 ans de vie entre parenthèses, le retour dans sa ville d'origine a été un retour à la vie pour ce consultant en management, passionné d'art et de culture. Quand on pense à tout ce temps, 20 siècles, hein, vous me dites. Ah ouais, c'est début de l'ère chrétienne, hein, c'est clairement c'est premières années après Jésus-Christ, je pense. 2000 ans. Le point de départ de cette descente aux enfers est lié aux difficultés conjugales de Bernard. Catholique convaincu, il fait la connaissance de sa future femme dans un groupe de jeunes chrétiens. Mais dès les premiers mois de leur mariage, la vie à deux se révèle impossible. Là, on a découvert qu'on était vraiment différents et objectivement, on n'a rien à faire ensemble. En plus, j'ai découvert qu'elle était terriblement jalouse, mais de façon absolument déraisonnable, quoi, oui. Maladive. Oui. Et du coup, elle était aussi violente, c'est-à-dire avec des agressions physiques sur moi. Donc ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas du tout. Donc voilà, j'étais désespéré parce que étant chrétien, vous avez compris, oui. Étant marié chrétiennement, à l'époque, je disais, on était unis par Dieu, donc il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, quelque part, il y avait cette espèce d'inquiétude ou d'insatisfaction, et de me dire aussi, j'y suis pour quelque chose, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on les a rencontrés. Cette rencontre fortuite a lieu à l'occasion d'un séminaire professionnel. Bernard et sa femme se laisse séduire par un couple qui affiche la plus grande bienveillance. Un couple dont la femme est une violoncelliste reconnue et dont l'homme se présente comme un psychologue de renommée mondiale. Les jeunes mariés se livrent alors sans méfiance sur leurs problèmes de couple. On découvre, en les écoutant en tout cas, que lui est donc un thérapeute reconnu mondialement. Elle est une des plus grandes violoncellistes au monde, qui se compare à Rostropovitch, à... C'était une amie de Xifra, le pianiste, etc. etc. C'est un peu éblouissant. Mais quand on est en grande détresse, le fait d'avoir cette écoute, cette bienveillance et ce retour éminemment positif, avec des phrases du registre, mais quand même, quel dommage, vous êtes des personnes tellement extraordinaires. On sent que vous êtes des personnes tellement belles, tellement riches. Vous avez un avenir formidable tous les deux devant vous. Il y a moyen de retrouver, de restaurer la si belle personne qui dort au fond de vous. Il y a moyen. Comment ? Voilà. Donc c'est là qu'elle prend la parole pour expliquer que la thérapie de son époux est aussi extraordinaire, aussi
oui, magistral. Voilà, et c'est là que j'entends que les gens viennent du monde entier, attendent plusieurs années, sont capables de rassembler des sommes phénoménales parce que c'est très très cher. D'emblée, il est question de cela, de sommes oui. Importantes pour faire appel au service de cet homme. Oui, déjà, déjà. Et en fait, quelques dizaines de minutes après qu'on soit rentré chez nous, ouais. De nouveaux coups de téléphone. Et ce coup de téléphone, c'est madame qui nous appelait en nous disant bah, « Écoutez, on a été tellement touchés de votre témoignage et on vous a trouvé tellement extraordinaire tous les deux. Voilà. » Donc, mon mari est prêt à se rendre disponible pour vous. Et de sauver ce mariage. Et, oui, c'est ça. Et il nous explique à ce moment-là la démarche thérapeutique. Un agglomérat de différentes ouais. choses que je connaissais, que j'avais trouvé intéressant. Mm-hmm. Et en plus, il nous dit « Et ça marche. » Et là, vous acceptez ? On dit juste ben, « Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, oui, ok, on va venir. » Pour Bernard et sa femme, dont le couple paraît voué à l'échec, cette méthode thérapeutique apparaît comme providentielle. Bernard se laisse convaincre de faire confiance à ce spécialiste autoproclamé aux théories très affirmées. Pour cet homme, toutes les difficultés du quotidien sont liées à des soi-disant traumatismes oubliés du passé. Une méthode qui fait en réalité appel à de faux souvenirs induits. La première chose, c'est que le patient est totalement isolé. Quand on décide de faire ce qu'il appelle une session, c'est-à-dire un travail thérapeutique sur 3 semaines minimum, on s'isole complètement, c'est-à-dire on quitte son travail. Ensuite, on prend une chambre à l'hôtel en dormant le minimum, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures par nuit maximum. Certaines nuits, il nous encourage à ne pas dormir, c'est-à-dire qu'on reste 48 heures en éveil, en mangeant très très peu, et de 22h à 7h le matin, avant de venir le retrouver en séance, on plonge, c'est le mot utilisé, dans les souffrances du passé. Alors de fait, ça met aussi en situation de grande fragilité, justement, pour être influencé. Mais il y a un détail qui accentue cette fragilité, à mon avis, hein, c'est que vous êtes nu. Oui, ouais, oui, la consigne, c'est ça. C'est que on n'a rien à cacher. Et les vêtements, c'est une façade, c'est un écran avec la vérité de « il faut être nu ». Vos souvenirs, quel type de souvenirs arrivent-ils à faire remonter chez vous et comment ? Ils nous demandent de ressentir des choses douloureuses. Ouais. Donc, alors évidemment, quand on est allongé sans bouger pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, au bout d'un moment, il y a très, très, très mal au dos. Il y a des crampes, il y a des courbatures, il y a des tensions. Voilà. Et son jeu à lui, c'est de dire, mais c'est pas maintenant que tu as mal. Regarde d'où vient la souffrance. Et là, vous êtes prêt à inventer n'importe quoi. Et sous cette pression-là, du manque de sommeil, du manque de nourriture, de l'hyperventilation qui fait un peu délirer, voilà, bah, tu retrouves des scènes. J'ai imaginé des scènes dans mon berceau où mon père venait me secouer, me frapper. Mais même avant votre naissance, il me semble que vous avez... Oui, oui. L'autre chose qu'il pratique, lui, c'est d'écraser une serviette sur le visage, donc qui écrase le nez et la bouche. Oui. Et au bout de 30 secondes ou 40 secondes ou une minute, de toute façon, tu étouffes complètement. Tu suffoques complètement. Et son jeu... c'est de dire, ben voilà, eh ben tu es en train de revivre la naissance. Et là, le sentiment qui nous fait retrouver, c'est la haine. Si ma mère m'écrase de cette façon-là, c'est qu'elle me rejette, c'est qu'elle me hait et qu'elle veut que je meure. Voilà. Et donc, il nous fait hurler, crier, « Maman, je te hais, maman, je te hais, maman, je te hais. » Et il dit, lui, que ça va faire sortir la souffrance et sortir la haine. Et quand vous avez vécu ça pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, nu sur le canapé, que l'après-midi, vous passez votre temps à réécrire « Maman, je te hais, maman, je te hais, maman, je te hais », que le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, sans nourriture, etc., il vous redit « Alors reviens dans cette scène », au bout de 3 semaines, vous sortez et vous haïssez votre mère. Ou vous haïssez votre père.
Et vous êtes... plus la même personne. Là, le problème, c'est qu'en plus, c'est moi qui fais une démarche thérapeutique. C'est moi qui ai envie. Ouais. C'est moi qui ai envie de progresser. C'est moi qui ai envie d'être heureux. Donc, le piège, il est complètement fermé. Mmh. Et ce qui est hallucinant, c'est que dans son jeu, dans la façon dont il raconte les trucs, il vous oblige à y croire. Et aujourd'hui, je me demande encore s'il y a moyen d'y échapper. Dans les mois qui suivent leur rencontre, le pseudo-thérapeute installe son emprise. Il prodigue ses conseils et envahit peu à peu le quotidien du couple. Sous son influence, Bernard et sa femme se coupent progressivement de leurs amis et de leur famille. Au moment où je suis dedans, c'est devenu, ça devient notre nouvelle famille. Et prennent soin de nous, et nous accompagnent aux concerts, et nous invitent dans leur maison en Martinique, et nous invitent... Voilà. Donc, effectivement, il y a une façade de grande bienveillance, de grande générosité. Du coup, c'est là que le rôle de mon épouse est quand même très fondamental. C'est que, comme je doutais, et comme j'allais toujours pas bien, elle me disait, mais attends, mais la seule solution, c'est de revoir ce monsieur. Et donc, de solliciter des entretiens, de rédiger des comptes rendus pour décrire les difficultés. Et comme vous payez très cher, ben vous avez beaucoup de respect pour cette personne, parce que une personne qui ratisse autant d'argent aussi vite, et ben c'est quelqu'un d'important et de... Dans l'espoir de se sentir mieux, Bernard accepte donc de nouvelles séances qui lui coûtent de plus en plus cher. À l'époque, il est consultant reconnu, mais ses revenus deviennent vite insuffisants. Le coût horaire, c'est 320 euros. Donc c'est 40 000 euros pour une session de 3 semaines. Mais pour une personne ? Pour une personne. Donc cela veut dire que pour votre femme... Ça veut dire que pour moi, c'est 40 000 euros. Pour elle, c'est 40 000 euros. D'accord. Parce qu'il faut que je vous dise, en plus du coût des sessions, il y avait le coût des entretiens réguliers. Et puis le coût des comptes rendus, donc rédiger des comptes rendus, chaque fois qu'il y avait quelque chose à valider, voilà, on écrivait 6 pages, 8 pages, 10 pages, 50 euros la page, ça va très vite. Avec, je crois, quelque chose d'incroyable, des amendes pour les fautes d'orthographe. Oui, alors ma chance, c'est à moi, je ne faisais pas trop de fautes d'orthographe, mais il y avait d'autres qui en faisaient, enfin en tout cas suffisamment, oui, 50 euros la faute d'orthographe. Comment faisiez-vous face financièrement pour payer à chaque fois ces thérapies? Ben voilà, je gagnais très très bien ma vie et j'étais toutes les fins de mois à découvert. Quelquefois, il me manquait 5 000 ou 10 000 euros à la fin du mois, alors que j'en gagnais 20 000 ou 30 000. Donc j'ai pu à ce moment-là parler à mes parents, les mobiliser, leur dire ben voilà, ça va très mal, suffisamment mal pour que j'imagine faire une démarche qui peut sans doute m'aider énormément. Et ils acceptent de vous aider? Mon père m'a avancé une part d'héritage. Donc j'ai englouti tout l'argent que mes parents avaient mis de côté pour moi. C'est une méthode d'emprise totale, jusqu'à temps que la personne ne puisse plus financer le système. Et à partir de ce moment-là, elle est rejetée. Et j'ai plusieurs exemples, voilà, dont des exemples dramatiques de personnes qui se sont suicidées. Parce qu'il leur a dit, mais non, si tu ne peux pas payer, c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc tu te débrouilles, tu choisis de faire ta vie toute seule, sans moi. Tu sais ce que vaut la vie. Si tu ne peux pas payer, c'est dégage. Et voilà. Vous avez dépensé pratiquement 700 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben, en 98, donc au bout de 12 ans, 13 ans, ma fille est née. Et j'avais tellement envie qu'elle soit heureuse et qu'elle arrive dans un couple épanoui et heureux que, voilà, ma démarche à ce moment-là, en 98, quand elle est née, a été de vouloir encore m'améliorer, encore progresser. Et donc, à l'époque, j'y croyais encore. Et j'ai refait une nouvelle démarche en 98. Et j'ai refait une nouvelle démarche en 2001 parce que ça ne marchait toujours pas. Et après, je suis resté accroché à leur emprise, parce que
il me promettait non seulement d'être heureux en couple, mais d'assurer la santé psychique de ma fille. Sans s'en rendre compte, Bernard et sa femme vivent alors en totale dépendance de ce faux thérapeute. Ils sont rassurés par la présence autour d'eux d'une petite dizaine d'autres patients, pour la plupart médecins, avocats ou ingénieurs, victimes comme eux de manipulations. Le salut de Bernard va venir en partie de sa rencontre avec Sophie, qui elle aussi est membre de ce cercle. Parce qu'en fait, nous, on s'est rencontrés la première fois en 95, début 95. Chez eux, avec eux, c'est ça? Oui. Ça, c'est à Budapest? Budapest, oui. Ça, c'était Noël. Ça, c'est le premier Noël ensemble. Vous étiez là? Oui, vous étiez là. Oui. Ça, c'est la Martinique? Oui. Putain, mais comment c'est... Ça, c'est une de celles qui m'insupporte le plus. Putain. L'air triomphant, là, le roi du monde. Franchement, je... Et puis, les cauchemars aussi. Bon, moi, je repars les somnifères, hein. Là, hein, parce que sinon, je dors pas. La chance, voilà, c'est qu'on a retrouvé du bonheur et que... Enfin, on vit, quoi. Sophie a 49 ans. Elle est la nièce par alliance du pseudo-thérapeute, un homme qu'elle a rencontré pour la première fois à l'âge de 19 ans. À l'époque, Sophie sort d'une rupture amoureuse, sa mère vient de décéder et son père est absent. En grande fragilité, elle s'est laissée convaincre et s'est engagée les yeux fermés. Il y a deux choses. Il y a d'abord la confiance totale que je mets en lui. D'abord parce que c'est mon oncle par alliance, parce que c'est mon père qui m'a dit d'aller le voir. Je ne me pose pas de questions. Quand vous faites confiance à quelqu'un, vous ne réfléchissez pas, vous ne mettez pas en doute. Mm-hmm. Donc, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il disait aussi, les autres ne peuvent pas comprendre. Donc d'une part, vous ne vous posez pas de questions, et d'autre part, vous n'en parlez pas avec les autres, parce que... Il y a le sentiment aussi de l'élu, d'être un peu privilégié, d'être arrivé jusqu'à lui. D'accord. Je suis tombée dans le panneau parce que les choses se font petit à petit. Ça commence par des petites choses et pour devenir des plus grandes choses. Le fait de se déshabiller déjà en thérapie, après ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Donc, il n'y a plus de barrière, si vous voulez. Vous arrivez en fin de session, vous ne réfléchissez même plus. Il m'a fait croire que mon père m'avait violée, que ma mère m'avait violée, tous les deux ensemble, que mes oncles aussi, des cousins. Et ils t'ont fait du mal, mais de toute façon, c'était tellement horrible ce qu'ils t'ont fait que si t'en parles à ton père, il s'en souviendra pas. Donc, c'est pas la peine de lui en parler. Mmh. Vous voyez, tout est verrouillé comme ça. Mais il y a eu des rapports sexuels ensuite? Oui, sous prétexte de développer mes aptitudes physiques, sous prétexte de me faire attendre le prince charmant, et ben, il s'est positionné en thérapeute sexuel, si vous voulez, mais jusqu'au rapport sexuel où je devais accourir dès qu'il m'appelait. Mm-hmm. Tout est thérapeutique, à tel point qu'il faisait payer ses rendez-vous sexuels. Il les mettait comme des temps de thérapie et je devais les payer. Combien d'années pour combien d'argent dépensé? Un peu plus de 238 000 euros pour 12 années. 12 années. Bah, dès qu'on l'évoque, ça me fait pleurer. Mm-hmm. Parce que ça a été 12 années de perdu, 12 années de fausses relations, de rupture avec ma famille, avec mes vrais amis. Alors, votre sortie de tout ça, elle s'est faite grâce à celui qui est aujourd'hui votre mari, le père de vos enfants. Oui. Quand il les a rencontrés, il a bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il n'osait pas, elle était malin, sans du tout, tout en étant médecin, sans connaître du tout le phénomène d'emprise, etc. Il n'a pas attaqué le système en direct. Donc il a interrogé une de mes tantes et ma grand-mère, indépendamment de moi, mm-hmm. en disant, mais c'est qui pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur-là? Et l'une a dit, bah, c'est un escroc, puis l'autre a dit, c'est un salopard. Donc il s'est fait son avis comme ça. Et puis après, il m'a amené à m'interroger moi-même sur la question de l'argent, en me disant, mais 320 euros de l'heure, déjà c'est ton oncle, on ne fait jamais de thérapie avec son oncle, mais 320 euros de l'heure, même les plus grands psychanalystes, Lacan, etc., c'est pas possible. Et coup de bol, j'étais amoureuse, lui aussi. Donc tout ça, bah, à un moment, j'ai choisi, quoi. Au fur et à mesure des semaines, de la relation de confiance, etc., je lui ai raconté tout ce qui se passait.
Donc on est allé à la gendarmerie et là, le peu qu'on a pu raconter, ils nous ont dit « Mais attendez, non, c'est trop énorme, c'est pas chez nous qu'il faut venir, il faut aller directement déposer plainte au procureur, voir un juge, enfin... » Bernard et Sophie ont tous deux subi la même emprise, vécu les mêmes souffrances. Pour Bernard, ce sont 22 années de perdu à cause de cette relation destructrice. Ben moi, ça fait 12 ans que je suis sortie et je suis restée 12 ans. Donc ça y est, je... T'as basculé. Là, c'est... Oui. basculé dans, dans une période si plus longue de vraie vie. C'est top. Hein. Parce que 22 ans d'un côté et juste 10 de l'autre, pour l'instant, ça ne fait pas le poids. Ah là là. Le fait d'avoir gagné le procès pénal, c'est déjà une étape fabuleuse. Et les deux ont été condamnés, donc ça, c'est magistral. Même avant le jugement, je trouve que c'était déjà une reconnaissance de ce qu'on avait vécu. C'est en 2005 que Sophie a quitté le groupe et a commencé ses démarches en justice. À la même époque, Bernard a eu un déclic salvateur qui lui a permis d'ouvrir les yeux. Il a découvert que l'homme qui abusait de lui depuis des années s'employait maintenant à manipuler sa fille de 8 ans. Ma fille allait parler de sa sexualité, de son poutou, comme elle dit, elle l'écrit comme ça. De son poutou. Son poutou, son sexe. Ouais. Une petite fille de 8 ans. Ouais. C'est juste hallucinant ce qu'elle pouvait raconter. Elle avait déjà reconnu des attouchements sexuels de sa nourrice soi-disant. Enfin, des faux souvenirs, il n'y a pas d'autre mot. Mmh. Ça, c'était un premier pas. Et voilà, et alors... J'ai pris sur moi de téléphoner à Sophie. Je dis, mais Sophie, c'est pas possible, quoi. C'est quoi cet embrouille? Et c'est là que Sophie m'a dit, mais avec une pudeur, une discrétion absolue, la réalité de ce qu'elle avait vécu, je découvre que finalement, ceux qui avaient raison, c'était mes parents. Que mes parents sont pas aussi cinglés et aussi dangereux que j'ai bien voulu croire pendant 20 ans. Et puis après, j'ai rencontré tes avocats. J'ai discuté avec eux et j'ai décidé de porter plainte, et puis je suis plus revenu, ni chez moi, ni chez eux. Moi, je suis sorti avec, donc brisé dans ma santé, brisé financièrement, évidemment, brisé dans mon couple, enfin, c'est ce qu'il en restait, mais en tout cas dans ma relation de père vis-à-vis de ma fille. Et le premier sentiment qui m'habitait quand j'ai décidé de partir, c'est la peur, en fait. La peur. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, j'avais une peur qu'il vienne me trucider. Vous avez eu peur aussi? Oui, au tout début, oui. Avec mon compagnon, avant qu'on se marie, oui. On s'est dit, on fait éclater le système, donc on risque pour notre vie. C'est pour ça que j'avais tout consigné par écrit, on a même fait des enregistrements, qu'on a mis dans un coffre, enfin, pour qu'il reste des traces au cas où. Vous ne parlez jamais de colère? Non, parce que moi, la justice est passée. C'est vrai que pendant les procès, il y a des moments où j'étais quand même très, très énervée, quoi. Mais en face, les entendre dire leurs ignominies, ouais, c'était hyper violent, énervant. Enfin, je bouillais, moi. Moi, c'est pour ça que je témoigne, c'est-à-dire que je pense que c'est très important d'informer chacun des risques et que ça peut arriver à tout le monde et qu'on peut tous avoir une fragilité à un moment ou à un autre et rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment. Aujourd'hui, Bernard a repris pied dans la vie réelle. Il a quitté sa femme et attaqué en justice ce thérapeute manipulateur et malveillant. Ça, c'est moi quand j'étais tout petit. Ben certainement, oui. T'as pas l'air triste, pas non plus. Et papa non plus, il a pas l'air triste. Il a renoué avec ses parents peu avant le décès de son père. Des parents qui n'ont jamais douté de lui et qui l'ont accueilli à bras ouverts. Les souvenirs qui sont soi-disant des souvenirs douloureux de l'enfance ou de la petite enfance, c'est la violence de mon père, c'est l'absence totale d'amour. On te l'a fait dire, ça? On te l'a... Oui, fait... on me l'a fait dire, on me l'a fait, on me l'a fait écrire, on me l'a fait répéter, on me l'a fait... voilà. Il t'est arrivé de penser que tu me pesais, que j'aurais voulu me débarrasser de toi ou... Mais j'ai subi un lavage de cerveau pendant cette démarche soi-disant thérapeutique. Oui, exactement. Mais voilà, maintenant, les choses sont remises à leur place. Et le fait d'avoir pu retrouver maman, papa, bien sûr, avant qu'il ne décède, voilà, c'est nettoyé, c'est derrière. Donc, quand je l'évoque, là, c'est à distance. Et finalement,
d'avoir retrouvé mes parents malgré mes 20 ans d'absence, qui m'ont réaccueilli comme si j'étais jamais parti. C'était vraiment un merveilleux moment pour moi. Vous vous souvenez, Marguerite, du retour de Bernard après ses 22 ans d'absence ? Je me rappelle très bien qu'avec son père, on se disait, de toute façon, il y verra clair. Quoi. Il ne va pas rester sous cette emprise indéfiniment. Mm-hmm. On avait assez confiance dans la vie et dans les richesses humaines. Uh-huh. C'est vrai. J'ai toujours senti de la part de mes parents une bienveillance, oui, une confiance, malgré tout. Malgré la souffrance que je vous ai infligée. Ah, c'est des moments pas faciles. Hein. Purée, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, quel dommage, quoi. Mon père était tellement heureux que je revienne. Il m'a dit, mon grand-fils, et ça m'a suffi, quoi. À l'issue des différents procès, le faux thérapeute a été condamné à 1 an de prison avec sursis et sa femme à 6 mois avec sursis. Le couple devra s'acquitter d'une somme de 400 000 euros de dommages et intérêts pour Sophie et pour Bernard. 10 ans après, Bernard a encore besoin de se reconstruire, même s'il a enfin trouvé l'apaisement dans sa vie conjugale grâce à sa nouvelle compagne. Si Bernard a réussi à se dégager des griffes d'un manipulateur extérieur à la cellule familiale, je me demande comment d'autres s'en sont sortis dès lors qu'ils sont nés et ont grandi sous la coupe de ce type de personnalité toxique. Je pars maintenant à la rencontre de 2 sœurs, Laure et Camille. Et tu vois, c'est que vous et maman et les enfants qui font que je tiens. Je sais, mais il faut que tu avances pour toi. L'aînée, Camille, a 30 ans. Elle est médiatrice familiale. Un métier qu'elle ne fait sans doute pas par hasard. Camille, mon chat, confie-toi. Dis-moi quel mal te ronge. Ensemble, on va le résoudre. On ne peut pas se séparer. Reviens vers moi. On pourrait penser que cette lettre qu'a reçue Camille a été écrite par un ex-conjoint. Mais c'est en fait son propre père qui parle, après que Camille a décidé de prendre ses distances en lui demandant de ne pas chercher à la revoir. Paris, Londres, New York, je veux être avec toi, ma fille tant désirée. Discutons de tes tourments, je veux ton bonheur. J'ai changé. Nous deux, on se ressemble et je serai toujours là pour toi. Pour Camille, le ton désespéré de cette lettre n'est en réalité qu'une tentative supplémentaire de manipulation de la part de son père, un homme qui a joué avec ses sentiments toute sa vie. C'est à Paris que je retrouve cette femme célibataire, l'aînée d'une fratrie de 5 enfants, dont 2 sont encore mineurs. Camille, bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? J'essaye d'avancer. Ce n'est que très récemment, après que sa mère a demandé le divorce, que Camille a décidé de couper totalement les ponts avec son père. Pour elle, sa relation avec lui est étroitement liée au mal inexplicable qui la ronge depuis l'enfance, un mal-être devenu insupportable. J'ai grandi avec... comme si une moitié de cœur me manquait. Je me réveillais le matin avec un poids énorme, avec un mal-être profond, envie de rien, l'impression d'être nulle. Pas envie d'aller à l'école, pas envie d'aller voir mes amis, pas envie de parler, pas envie d'être gentille, pas envie de rien. Mm-hmm. On se sent désolée du terme, mais comme une merde. Mm-hmm. On a envie de rien, on se demande pourquoi on vit finalement, quel est le but de notre vie. Et ça, longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi je vis ? Pourquoi ? Pourquoi je vis ? Tellement que je suis mal, je préférerais mourir. Mm-hmm. Je ne vous cache pas que j'ai pensé très souvent à mettre fin à mes jours, mais je n'ai jamais eu la force de le faire. Même si encore aujourd'hui, il y a des matins, j'ai peur de me réveiller avec ce poids et de me dire que ça va être une journée sans et que je vais devoir me battre avec mes démons et avancer toute la journée, essayer de trouver des points positifs dans la journée pour aller mieux. Alors, ce dont vous vous êtes éloigné à un moment, c'est de votre milieu familial. Oui, une personne, mon père. Votre père. Quand j'ai commencé à travailler et à réellement prendre mon indépendance et à me détacher de lui,
et surtout à vivre, c'est-à-dire à rencontrer quelqu'un, par exemple, à avoir une vie de couple, j'ai commencé à me rendre compte que la manière dont il était à la maison, en tant que père, en tant que mari, ce n'était pas normal. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi par rapport à mon travail, de manière tardive, finalement. Comment est-ce que vous le décririez, cet homme ? Un tyran dans un corps de prince. Il joue sur la séduction, puis sur la culpabilité et la destruction. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir à faire ce film ? C'est surtout que depuis que ma maman a demandé le divorce, mon père m'accuse d'énormément de choses, mais je n'ai jamais eu la parole. C'est-à-dire que je ne lui ai pas parlé à lui et que ma famille, de son côté à lui, m'a tourné le dos sans avoir ma version, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Moi, j'ai besoin aujourd'hui de m'exprimer, de dire la vérité. Enfant, Camille a eu autant d'amour que de crainte vis-à-vis de son père, recherchant sans cesse sa reconnaissance. L'homme est un chef d'entreprise charismatique et respecté, un bon vivant qui sait se faire apprécier en société. Mais c'est en chef de famille qu'il révèle une toute autre nature, lunatique, impulsive et caractérielle. On ne savait pas dans quel état il allait rentrer. Il pouvait rentrer en étant très gentil, très mielleux. Et il pouvait rentrer dans un état exécrable en passant la porte, en disant à ma mère, viens m'aider là, il y a mon sac dans la voiture là, va me chercher mon sac, je suis fatiguée, me fais pas chier. Comment est-ce que vous décririez le rapport de votre mère à votre père ? Soumise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, ayant l'interdiction de travailler, elle a arrêté ses études pour lui et à sa demande. Elle est dépendante financièrement, physiquement. Ses allées et venues, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et surtout, physiquement, elle n'a pas d'amis. Elle n'avait pas d'amis. Si elle avait eu envie, un soir, d'aller boire un verre chez une copine, enfin, c'est inimaginable. Même lorsqu'ils sortaient tous les deux, c'est lui qui lui indiquait « Ah bah, aujourd'hui, « Ah, tu vas te changer, j'aime pas comme t'habilles, on dirait une pute. » Votre mère acceptait ce comportement ? Bah, elle avait pas le choix. Elle avait pas le choix, parce que si elle avait le malheur de lui dire « Calme-toi, parle-moi autrement », il partait dans les tours. Personne ne peut s'imaginer la manière dont il pouvait prononcer certains mots, son regard, la violence de ses paroles, le mal que ça nous faisait, ce qui pouvait se passer en huis clos, quand ma sœur s'est fait le piercing à la langue, ce qu'il a pu lui dire, ce qu'il a pu apprendre aux enfants de répéter alors qu'ils étaient tout petits « Votre sœur, c'est une sassuceuse de bite qui aime le sexe ». Et quand on le raconte, on a même du mal à le raconter parce qu'on se dit « Les gens ne vont pas nous croire, c'est trop gros, c'est énorme. » Alors, votre père avait certaines habitudes. Il ne mangeait pas à table avec vous ? Non. Ma mère lui a toujours monté le plateau dans son lit. Et quand il fallait rechercher le plateau, il tapait sur le sol en l'appelant. Et un jour, j'ai eu le droit d'aller manger chez une amie. Et je suis rentrée de cette soirée chez cette amie en expliquant à ma mère que je ne voulais plus y retourner parce que les gens étaient bizarres parce que le papa mangeait à table. Et c'est là que ma mère m'a expliqué non, en fait, c'est plutôt chez nous, ce n'est pas normal. Le soir, donc après que ma mère ait débarrassé son plateau, on allait lui dire bonne nuit, on restait un peu avec lui. Et puis d'un coup, comme ça, ça tombait sur l'un de nous trois. Il l'enroulait dans la couette et il exigeait de l'autre enfant qui était présent, avec un cure-dent, de piquer les pieds et la tête. Donc nous, on hurlait, bien évidemment, parce que ça fait mal. Mais lui, ça le faisait extrêmement rire. Il adorait qu'on se dispute ensemble. Et quand ma mère se mettait à l'encadrement de la porte en disant « Il est tard, maintenant, faut aller vous coucher », juste avant, il nous disait « Si votre mère, elle fait ça, vous la regardez, vous souriez, vous y allez pas ». Et nous, on a tellement envie qu'il nous aime qu'on rentre dans son jeu. Est-ce qu'on peut dire qu'il était lunatique ? Alors, lunatique, le mot est faible. Pour moi, mon père n'était pas lunatique. Pour moi, mon père était cruel. Cruel. J'ai réellement le sentiment qu'il aimait nous faire mal. Je les revois encore où lui, il est allongé dans son lit. Ma mère était debout et elle l'écoutait, la rabaissait et elle pleurait. Et on a l'impression que ça lui faisait plaisir. Devant vous, il faisait ça ? Bien sûr. Il faisait ça devant nous. Il a toujours fait ça devant nous, il l'a toujours abaissé devant nous. On a grandi avec ce schéma-là. Tous les trois, est-ce qu'il vous est arrivé à l'époque de parler de cela entre vous ? C'était quelque chose qu'on gardait pour nous, parce que lui a toujours eu la satisfaction de nous diviser. Nous nous sommes détestés, nous nous sommes bagarrés, et nous n'avons quasiment rien partagé de notre vie d'adolescent.
Tout cela fait de Camille une petite fille solitaire, sans cesse angoissée, qui n'a pas confiance en elle. Un mal-être qui devient encore plus présent à l'adolescence. Le vide au fond de soi, cette pierre qu'on porte, cette envie de mourir, mais je l'avais tous les jours à cette période-là. Il contrôlait tout. C'était les moqueries en permanence. Camille, tu travailles moins bien que ton frère à l'école. Camille, tu fais toujours la gueule. Camille, elle n'a pas d'humour. Camille, elle ne sait pas rigoler parce qu'il faisait des blagues qui, pour lui, ça pouvait être marrant, mais ce n'était pas marrant. Lorsqu'on est adolescent, qu'on a le corps qui se forme et que votre père s'amuse à vous enlever le haut du maillot de bain sur la plage pour que tout le monde le voit parce qu'il sait que vous êtes timide, ce n'est pas de l'humour. On ne fait pas rire avec ça. Non, c'est assez terrible même. Quand je n'ai pas eu le bac du premier coup, j'ai dû le passer au rattrapage, eh ben, il me demandait de venir à sa table, de poser mes bouquins, et il m'interdisait de réviser en me disant « De toute façon, tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. T'es conne, tu n'auras jamais ton bac. » Et à chaque année de fac, « Ah bah, ah, t'as ton année ? Ah, t'as sucé combien de bites pour l'avoir ? Ma sœur, t'es con comme une bite. Ma mère, t'es une pute devant les enfants. » Continuellement. Comment est-ce que vous percevez cette mère qui subit autant, qui laisse faire, qui visiblement a du mal à vous protéger ? Comment ça se passe ? Je l'ai détestée, ma mère. Mm-hmm. Je pense que j'ai été une adolescente horrible avec elle parce que je lui ai fait payer tout le mal-être que j'avais. Je souhaitais sa mort par moment. C'est horrible de dire ça de sa mère. Ouais. Mais je lui ai dit par moment. Je l'ai insultée. Pourquoi alors ? Mais parce que je lui en voulais de ne pas le quitter. De ne pas oser prendre son courage à deux mains et partir. C'est difficile d'en parler parce que je culpabilise de dire tout ça, mais c'est la vérité. J'ai l'impression que c'est mal tout ce que je dis, mais c'est vrai. Et parce qu'en même temps, vu que ma mère n'est jamais partie, je me dis que d'un côté, il ne devait pas être si horrible, mais tout ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas inventé. Si Camille a toujours peur qu'on ne la croie pas, elle n'est pourtant pas la seule à s'être révoltée. Parvenue à l'âge adulte, deux de ses frères et sœurs ont également coupé les ponts avec leur père. Moi, je pense qu'il nous a marqués à vie, quoi. Enfin, comme offert, quoi. Comme si on avait été comme une vache dans un enclos. C'est pour ça qu'on a des problèmes aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Laure est la petite sœur de Camille. Toutes les deux sont aujourd'hui très proches, décidées à soutenir leur mère et leurs deux frères et sœurs encore mineurs. Mais pendant longtemps, Laure et Camille se sont construites l'une contre l'autre sous l'influence d'un père qui n'a fait que diviser ses enfants. Pendant plus de 2 ans, nous ne nous sommes plus adressés la parole. Il a été la cause et la raison pour laquelle nous nous sommes reparlés. Parce qu'il y a un peu plus de 5 ans, ma mère un jour a dit « je vais le quitter ». Elle a mis des affaires dans la voiture, juste son sac à main, ses papiers, les enfants. Et lorsqu'il est rentré, elle a dit « je m'en vais, j'en peux plus ». Il a bloqué le portail, il a cassé toutes les assiettes sur le palier en lui disant « tu rentres, tu dépêches, tu rentres ». Il a cassé son téléphone portable et ensuite il est parti et il a appelé ma sœur en lui disant « j'en peux plus, ta mère elle veut se barrer, je vais me suicider, je vais mourir, je vais me foutre en l'air » en faisant du cinéma. C'est de la mise en scène tout ça, c'est de la mise en scène pour arriver à son but. Et c'est là que ma sœur m'a contactée, puisque j'habitais juste à côté, en me disant qu'elle s'inquiétait pour ma mère qui ne répondait pas. Et c'est de là que nous avons recommencé à parler ensemble et on s'est rendu compte que finalement, si on ne se parlait plus, c'était basé sur des mensonges que lui avait alimentés. Si Camille a subi les pires humiliations de par sa place d'aînée, Laure, elle aussi, a longtemps eu peur du comportement imprévisible de son père. On se cachait, on se mettait dans ton placard, dans ta chambre. Et tu nous tenais la main et tu nous disais « chut, faut pas faire de bruit, ça va aller, pleurez pas, pleurez pas ». Ça, tu vois, j'en ai aucun souvenir. Moi, je m'en souviens. Je pense que c'est volontaire. Ouais. Là, tu faisais bien ton rôle de grande sœur. J'ai toujours bien fait mon rôle de grande sœur. Oui. Même si je suis partie tôt et je vous ai laissé, quoi. J'ai toujours pris la fuite, en fait. À 25 ans, Laure commence tout juste à oser parler de son histoire familiale, des souvenirs que frères et sœurs ont longtemps occultés. J'ai enfoui au fond de moi, ou caché, même à moi-même, toutes les choses de mal qu'il avait pu faire, parce que pour moi, c'était normal.
C'était le schéma familial normal. De là, quand on en a discuté avec Camille et notre frère, et qu'on a su se remémorer les événements passés, les actes ou les mots qui avaient pu être, de là, ça a été une révélation en se disant que c'était pas du chiquet, c'était la réalité. C'était vraiment ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous étiez enfant? L'impulsivité, les humeurs changeantes, passer du rire aux crises, le fait de mentir à un tel point que les actes sont transformés par ces paroles comme autre chose. Le fait qu'il nous est détruit par des mots, des actes en cassant nos affaires les plus personnelles, histoire de nous atteindre au plus profond de nous, en prenant nos doudous et faire mine de se torcher avec. Pour lui, il est au-dessus de tout. Et c'est comme les repas de Noël où le but, c'était de faire pleurer quelqu'un. Qui va pleurer cette année à table? À qui le tour? Ah tiens, l'année dernière, c'est lui qui a pleuré. Cette année, on va changer de cible. C'était rigolo, quoi. C'était un jeu. Et quand ça nous arrivait de pleurer, quand on était gamin à l'arrière de la voiture, il disait « chiale pas, putain, j'ai horreur de ça, les gens qui chialent, t'es faible, t'es faible ». Forcément, à entendre de ça à longueur de journée, de semaine, d'année, on se dit qu'on est un moins que rien, qu'on réussira jamais, qu'on est nul. Lui, son excuse, ça a toujours été pour nous pousser. Mais nous pousser à quoi? Au suicide? Parce que moi, j'en suis arrivée à penser à ça. Je me suis dit « qu'est-ce qu'il cherche ?» À tous nous détruire. Et c'est ça, au final, qui nous anime aujourd'hui. C'est de se dire, on essaye de faire que tout roule bien comme il faut, mais tout peut arriver. D'un moment à l'autre, suffit qu'il y ait un élément perturbateur, un facteur, la perte d'un travail ou de quelqu'un de proche dans la famille, et de se dire qu'on craque, qu'on tombe dans le truc, et que c'est là où tout ressurgit. Et c'est ce qui me fait le plus peur. Mmh. C'est de me dire que j'ai peut-être enfoui des choses qui peuvent ressurgir d'un moment à l'autre et qui font que je vais craquer. On dit souvent, quand on construit une maison, l'important, c'est les bases. Et ben moi, ma base, elle est pourrie. En attendant, vous devez continuer, vivre. Oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment reconstruire tout ça. Et comment nous aussi, entre nous, on peut tout reconstruire. Est-ce que vous auriez envie d'avoir un père, parfois? Oui. Je pense qu'on souffre tous tout autant de ce manque de figure paternelle. Oui. J'aimerais bien. Quelque part, j'appréhende le jour où il va revenir vers nous. Et de l'autre côté, j'appréhende aussi le fait que potentiellement, il ne reviendra jamais vers nous. Genre, il ne contactera jamais, refera sa vie. Et quelque part, il y aura cette jalousie intérieure de se dire « Putain, on a compté pour rien, quoi. » Moi, même s'il revient, je ne répondrai plus. Il est malade, donc je sais qu'il est incapable de faire preuve d'empathie. Il a été incapable de nous aimer. Il ne nous aime pas. Ouais. Camille et Laure ont peur de l'avenir et de l'héritage que leur père a pu leur transmettre. Récemment, toutes les deux ont vécu des échecs amoureux parce qu'elles ont attiré des hommes dont le profil était proche de celui de leur père ou qu'elles ont elles-mêmes reproduit certaines de ses attitudes. Finalement, les relations saines n'existent pas pour moi. Parce que, à partir du moment où on a grandi auprès d'un père chez qui on cherchait de l'amour, et on avait ce sentiment d'abandon à chaque fois, l'habitude de souffrir. Et où par moments, il jetait des miettes d'affection qui renaissaient cette flamme d'espoir de se dire « il va changer, il va m'aimer, ah il m'aime un petit peu, il m'aime un petit peu ». Automatiquement, moi j'ai été attirée par des hommes qui avaient le même comportement où j'avais l'espoir qu'ils changent, tout comme j'ai eu l'espoir que mon père change. Et vous, Laure, vous n'avez pas obligatoirement attiré des hommes avec ce profil? J'ai inconsciemment reproduit son comportement. En étant cassante, en imposant mes choix, en étant dure, ferme, sans laisser passer la moindre chose. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Et c'est dur de se dire qu'au final, en ne voulant pas lui ressembler, ben, on agit de la même manière.
Vous m'avez dit l'une comme l'autre avoir peur. Peur de votre père. Et j'ai l'impression que vous avez aussi peur de vous-même. Bah parce qu'on se connaît pas vraiment. On s'est jamais construit. Du moment où on se lâche, on se libère, on a peur de ce dont on est capable. Et on a peur d'être trop heureux. On a peur d'être trop triste. Et j'ai aussi peur que ce moment qu'on partage aujourd'hui, soudé entre nous, que ce soit éphémère. Moi, j'ai peur d'être comme lui, si un jour je fonde une famille. Avec ces peurs-là, c'est pas évident. Moi, je m'attends encore à le voir revenir dans ma ville comme il a fait il y a même pas 5 mois, juste pour me faire peur. Mais ça, j'en suis convaincue qu'il le fera. Et même là, en étant ici, sachant qu'il vient souvent travailler ici sur la région parisienne, j'avais peur de le croiser. Aujourd'hui, en fait, est-ce que vous avez l'espoir et un sentiment ferme que vous êtes capable de construire votre vie? Oui, je pense que j'ai la force, même si c'est dur, mais je le ferai, parce que je ne veux pas qu'il gagne. Et on gagnera. Il a voulu nous diviser, mais il ne nous a pas divisés. On apprend à être heureux. C'est quelque chose entre nous, entre frères et sœurs, c'est ce qu'on n'a jamais eu sur du long terme. Qui est-il pour vous, cet homme-là, aujourd'hui? Je l'appelle le biologique. C'est mon géniteur. Mais il n'a en aucun cas joué un rôle de père comme il aurait dû. C'est compliqué parce que j'ai de la haine. Et ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, bah, je l'aime. C'est mon père. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette petite fille au fond de moi qui a un espoir et qui se dit « Mais peut-être qu'un jour, il t'a un petit peu aimé. » J'aimerais bien être indifférente, en fait. Et j'arrive pas. Mais ça va prendre du temps, mais ça passera. Le pire est derrière? Oui. Oh bah oui. Ou le meilleur est devant. Ou ouais, le meilleur est devant. Il vaut mieux dire ça. Oui. Laure, merci beaucoup d'avoir participé à ce film. Je vous souhaite tout le bonheur. À 25 ans, la vie est pleine de surprises. La vie est devant vous et à 30, la grande sœur, voilà, j'ai envie de vous dire que elle est largement devant vous aussi. Oui. Hein, merci. D'accord. Olivier. Portez-vous avec bien. Plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Laure et Camille ont tourné le dos à leur père et jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réussi à expliquer sa façon d'être. Je vais maintenant à la rencontre d'une femme qui a souffert toute sa vie des agissements d'une mère toxique, mais qui, elle, a fini par découvrir les raisons de son comportement. Colette vit à Malesherbes, dans le Loiret. Colette est l'auteur d'un livre, L'enfant bonsaï, dans lequel elle raconte son histoire. Celle de sa relation avec une mère qui l'a maltraitée tout au long de sa vie en dissimulant sa vraie nature à un entourage qui ne se doutait de rien. Bonjour Colette. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Bah, très bien. Merci de me recevoir ici, dans votre jolie région du Loiret, c'est ça? Ah ben oui, c'est très beau, c'est agréable. Vous habitez ici depuis combien de temps? 13 ans. 13 ans, donc oui. Vous connaissez bien la région. Ah oui. Alors, vous avez 64 ans. Oui, tout à fait. Vous êtes à la retraite. Oui. Vous dites que vous êtes particulièrement heureuse depuis 3 ans. Ben oui, je l'avoue, oui. Depuis que ma mère est morte, je le dis honnêtement, c'est ça. Depuis que votre mère est morte. Ben oui. Mm-hmm. Alors, je sais que ça peut choquer les gens. Mais ouais, je suis moi. Est-ce à dire que vous avez été jusqu'à souhaiter sa mort ou jamais? Ah non jamais, non. Bah non, parce que ma mère, je l'aimais. Hein, je veux dire. En revanche, je l'avoue, il m'arrivait quand elle avait été trop infecte avec moi de me dire si seulement juste à la fin de ma vie, je pouvais juste qu'elle meure juste avant, juste un an avant moi, que je puisse juste savoir ce que ça fait d'être libre. Voilà, c'était... Mais le souhait de sa mort, non, bien sûr que non. Ça a commencé dès l'enfance, hein, oui. Cette relation. Et ça a duré toute votre vie. Oui. En fait, elle a voulu m'effacer. Toute ma vie, elle a essayé de m'effacer. Elle voulait que je n'existe pas, en fait, quoi. Et à la fois, j'étais son joujou, et
Elle était méchante avec moi, elle aimait ça, et donc elle me gardait sous sa coupe quand même. Lorsqu'on lit votre livre, L'enfant bonsaï, c'est très très important pour vous d'avoir trouvé cette image. Oui, franchement, quand j'ai vu les traitements qu'on leur faisait subir aux bonsaï, tout d'un coup, mais ça m'est apparu que c'était ce que ma mère me faisait subir. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire confinée dans un truc trop petit, sous surveillance constante, presque pas d'eau pour le maintenir petit. Et surtout pour qu'il ne puisse pas s'épanouir. Pour moi, ça a été évident que ma mère, j'étais son bonsaï. Et on taille les racines aussi pour que l'arbre ne grandisse pas. Ouais. Et moi, en fait, j'étais sans racines. Ma mère n'a jamais voulu me dire qui était mon père. En 1953, Anne-Marie, la mère de Colette, est étudiante et célibataire lorsqu'elle donne naissance à sa fille unique. Seule et immature, Anne-Marie est incapable de prendre soin de ce bébé et manque même de l'empoisonner avec du lait frelaté. Âgée de 9 mois, Colette est alors confiée à une nourrice par ses grands-parents. La petite fille grandit sereinement chez cette femme jusqu'à l'âge de 6 ans. Et donc à 6 ans pile, hélas, mon grand-père a dit à sa fille, il faut absolument que tu récupères ta fille parce que les études c'est sacré, c'est le CP, il faut absolument que tu récupères ta fille. Et du jour au lendemain, elle est venue m'arracher comme ça. Donc finalement, cette mère, vous ne la connaissiez pas ? Ah non, je ne la connaissais pas. Et comment se passent les premiers jours ? Alors, on était dans un studio en fait. Donc on était tout le temps l'une avec l'autre. Moi, j'étais contente parce que j'avais très peur d'être seule, donc j'étais contente de ne pas avoir une chambre à part. Mais ma mère, ça ne l'arrangeait pas du tout, du tout, du tout. Parce que tout ce qu'elle voulait, c'était pas me voir. Constamment, c'était « Ah, mais sors de là, hors de ma vue. » Il ne fallait pas qu'elle me voie, il ne fallait pas qu'elle m'entende. Elle ne voulait pas que je l'embrasse, elle ne supportait pas de me toucher. Elle ne pouvait pas me prendre par la main, ça la dégoûtait. Elle me disait « Ah, tu as les mains moites, t'es dégoûtant. » Elle faisait ça, le long de sa cuisse. Ça fait de vous quel enfant, ça J'ai été très malheureuse. Tout était aléatoire avec ma mère. Je ne savais pas comment elle allait être lunée. Je ne savais pas comment ça allait tourner. Au détour d'une phrase, tout d'un coup, quand tout allait bien, paf, ça pouvait être l'inverse. Et puis, quelquefois, elle me disait de faire rouge. Et puis, après, quand je faisais rouge, elle me disait, mais enfin, je t'ai dit de faire noir. Enfin, c'était très, très lourd. Et le soir, en plus, elle me privait de manger la plupart du temps. Donc, c'est vite devenu un gros problème pour moi, la nourriture. Elle me privait de manger le soir ? Oui, la plupart du temps. Eh ben, il suffisait que j'ai une mauvaise note ou qu'il y ait un truc qui ne lui ait pas plu. Privée de manger. Elle n'avait juste pas envie de voir ma tête, c'est tout. Hein. C'était ça l'idée. Hein. Alors, elle prenait n'importe quel prétexte. Quand on était en CM2, j'avais des fringues à la trousse et mes copines avaient toutes dégoûté. Et je me souviens que je les enquiquinais pour avoir une miette, quoi. Et il y en a une, un jour, elle avait des châtaignes bouillies dans sa poche. Et je lui ai demandé, tu ne veux pas m'en donner ? Et puis elle était excédée, quoi. Elle m'a dit, mais Colette, tu n'en as pas marre d'être comme une mendiante ? Et je crois que c'est la première fois que j'ai rougi de ma vie, en fait. Et je me suis juré que même si je devais mourir de faim, jamais je... Qu'elle m'en demanderait. Oui. Enfin, c'est comme ça. C'est fini, hein, tout ça. Oui. Oui, mais la bouffe, ça a toujours été un problème pour moi, quand même. Ouais. Vous étiez très angoissée, non ? Ben oui, complètement. Et puis j'étais très maigre et j'étais pas... Retard staturo-pondéral, comme disait le médecin. C'est quoi, ça ? Retard staturo-pondéral, c'est ce qu'écrivait le médecin. Retard de poids ? De poids et de taille. Et de taille. Ben oui, puisque j'étais vraiment une puce, quoi. Vous ne vous développiez pas, donc ? Ben non, pas du tout. Dominée et manipulée par cette femme tyrannique, Colette se souvient qu'elle aimait pourtant profondément sa mère. Malgré les reproches et les privations, Anne-Marie est pour la petite fille une femme fascinante, une professeure de collège intelligente, cultivée et respectée de tous. Et oui, je l'aimais parce que elle était belle, elle était belle, je la trouvais belle. Elle était très brillante, très gaie. Elle était même, je dirais, pétillante et piquante. Elle était les mecs là, elle lui tournait autour. Hein. Elle était... Et les femmes l'admiraient. Les gens la trouvaient bien. Alors, c'est con, mais vous dites... si les gens la trouvent bien, c'est qu'elle est bien aussi. Il y a aussi... Comment dire, ma mère, c'était une déesse. Hein. On ne pouvait que l'admirer. Donc, moi, je l'admirais. Et je pense que dans mon amour, il y avait beaucoup d'admiration, plus que de l'amour. Il n'y avait pas de tendresse, puisqu'on ne pouvait pas avoir de rapport physique, charnel, de toute façon.
Pendant l'adolescence, la mère de Colette continue de malmener sa fille pendant qu'à l'extérieur, personne ne se doute de rien. Ce n'est qu'à sa majorité que la jeune fille parvient à prendre ses distances en décrochant un travail dans un hôtel en Guadeloupe. Écoute, moi j'adore les arbres là, regarde, c'est magnifique. C'est là qu'elle rencontre Yannick, son mari depuis maintenant plus de 40 ans. Yannick a été témoin du comportement pervers de la mère de Colette qui s'est immiscée d'emblée dans leur relation. Il a aussi très vite constaté que Colette gardait d'importantes séquelles de ses années passées sous la coupe de sa mère. On va les voir. Ouais, on va voir ce que c'est. C'est difficile à croire et on réalise pas. On réalise pas du tout parce que c'est quelque chose qui peut pas exister. C'est complètement abstrait. Oui, je vois les effets dévastateurs, oui. Vous savez, pendant des années, la nuit, Colette faisait des cauchemars et hurlait. Toutes les nuits, moi j'étais réveillé par des hurlements, il fallait que je la réveille, que je lui dise « bon, c'est bon, c'est un cauchemar, c'est rien, ça va, on est là ». Je ne vais pas dire « tout va bien », mais toutes les nuits, elle se réveillait en hurlant. Toutes les nuits. Alors, cette belle-mère, la première fois que vous la rencontrez... C'est en Guadeloupe. Colette et moi, on est déjà ensemble depuis quelque temps, et puis on a déjà décidé de faire notre vie ensemble. Donc elle est avertie. Et puis on va la chercher à l'aéroport, à Pointe-à-Pitre. Et déjà, ça commence fort, parce qu'elle arrive et elle n'embrasse pas Colette. Elle lui passe devant, mais raide comme la justice. On voit qu'elle est pincée, énervée, enfin bon... C'est pas quelque chose qui est dû à la fatigue du voyage, quoi. Elle vient voir qui je suis, elle vient peut-être montrer son désaccord, je crois qu'elle m'aime pas. Et il est arrivé un truc assez amusant parce qu'elle essaye en fait de me jouer un sale tour, c'est-à-dire de trouver quelqu'un d'autre que moi pour sa fille. Elle vante ses mérites, le mec est beau, le mec est bien, le mec est équilibré, il est mûr, c'est pas un petit jeune qui connaît rien à la vie. Enfin. Avant de connaître mon mari, j'avais un petit copain justement. Il avait 20 ans de plus que moi, divorcé, deux enfants, et il buvait un petit peu. Eh bien, elle a essayé de me rabibocher avec lui pour court-circuiter Yannick. Non, mais ah oui. Vous le croyez, un truc pareil? Donc là, elle fait tout pour casser votre mariage? Déjà, à l'avance, voilà. Elle voulait absolument pas que je me marie, ma mère. Mais Colette tient bon, et le couple revient quelques mois plus tard en métropole pour se marier. Toujours opposée à cette union, Anne-Marie se mêle pourtant de tout et empoisonne la vie de sa fille en la contrariant à propos du moindre détail. Déjà, elle, comme elle n'avait pas d'amis vraiment, ni de famille, elle a invité des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans parce qu'ils étaient médecins ou ceci ou cela, pour faire bien déjà. Et elle m'a fait pleurer tout le temps. Alors déjà, je n'ai pas eu la coiffure que je voulais. Je voulais un chignon, eh ben, elle m'a emmené de force chez sa coiffeuse qui a fait ce qu'elle voulait, elle. J'étais crêpée de partout alors que je détestais ça. Et puis, elle n'arrêtait pas de pleurnicher derrière, mais sans qu'il y ait d'autres personnes autour de moi. Alors moi, je devais la consoler en plus. Enfin, c'était fou. C'est moi qu'elle faisait pleurer, c'est moi qui devais la consoler. Enfin, c'était un truc... Elle vous a gâché votre mariage? Oui. Oh ben, oui, c'est évident. Franchement, je me suis dit, est-ce que ça se fait de divorcer tout de suite? Parce que là, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas tenir le coup. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Ben, parce que j'avais plus envie, j'avais peur. Je pense qu'elle a dû, me faire croire aussi que c'était une grossière erreur. Je ne sais pas. Elle vous faisait tourner la tête, cette mère? Complètement, hein. Complètement. C'était l'horreur totale, ce mariage. C'est peut-être un des seuls jours où je me sois ouvertement engueulé avec elle, en fait. Parce que plus ça va, plus elle est agressive et désagréable avec Colette. Et à un moment, c'est plus possible. Donc je m'engueule avec elle. Et puis, évidemment, après, c'est le silence, elle me fait encore plus la gueule, si c'est possible. Et ça reste tendu comme ça pendant toute la journée. Et elle est absolument ignoble tout le temps. Malgré cela, il s'avère impossible pour Colette de couper les ponts avec sa mère, car ses personnalités toxiques génèrent souvent chez leurs victimes une véritable dépendance. À 27 ans, Colette accouche de son premier enfant. Mais ce qui devrait être un heureux événement produit l'effet contraire. Colette a tellement peur de reproduire le comportement de sa mère qu'elle sombre dans une profonde dépression. Je sentais bien au fond de moi que tout était par rapport à l'enfant. Et en fait, bon,
Je l'avoue, j'ai tenté de me suicider. Pour moi, c'était sauver mon fils que de me suicider, parce que du coup, je le sauvais lui. Je le sauvais de ma mère. Je le sauvais de moi qui risquais de devenir comme ma mère. Donc, ça a été très dur pour moi, cette tentative de suicide, parce que personne n'a compris, sauf ma mère quelque part qui m'a dit « Je le sais bien que j'aurais dû avoir le courage, c'était à moi de le faire. C'était à moi de disparaître, mais j'ai jamais eu le courage », elle m'a dit. Je crois que ce sont les pompiers ou les gendarmes, je ne sais plus, sont venus taper à la porte, et puis Colette était à l'hôpital, elle l'avait fait. Elle a fait le geste, elle s'est ouvert les veines. À partir de là, est-ce que vous essayez qu'elle mette de la distance entre elle et sa mère? La distance, je crois qu'elle grandit petit à petit, mais en même temps, elle ne veut pas laisser tomber, quoi. Je crois que quelque part, en elle, il y a quelque chose qui refuse, en fait, le fait que sa mère soit aussi sincèrement horrible avec elle, quoi. Colette réussit malgré tout à reprendre pied, mais vit dans la peur de sombrer à nouveau. Elle ne parvient pas à concevoir un deuxième enfant et rien n'a vraiment évolué dans sa relation avec sa mère qu'elle continue d'aimer et d'admirer. Donc ma mère est là. Il y a des photos assez extraordinaires de ma mère. D'abord, elle était très jolie, même sexy là quand vous la voyez là par exemple. Bah, c'est moi qui arrive là et qui mets le beans dans la famille. Pourtant, je suis mignonne. Oh, vous êtes belle comme tout. Ouais, je suis choupette. Quel âge vous avez là? Ben là, 8 ans là. 8. Mm-hmm. Ouais, 8 ans là. Vous êtes très menue, ouais. C'est où ça? On avait tellement détesté notre mariage que du coup, on s'est refait des photos un an après. C'est en suivant une psychothérapie que Colette commence à comprendre le mal dont souffre sa mère. En remontant l'histoire familiale, elle découvre que sa grand-mère est morte en donnant naissance à Anne-Marie. Elle découvre aussi que sa mère a eu une demi-sœur qu'elle a avoué avoir détestée et qui est morte très jeune d'une leucémie. Ça, c'est donc ma grand-mère, celle qui est morte en couche. D'accord. La mère de ma mère. La mère de votre mère. Voilà. Et alors là, c'est la demi-sœur de ma mère qui est morte à 8 ans. Et qui, on le voit après, me ressemble un petit peu quand même quand on voit les photos de quand j'ai son âge. Deux décès avec lesquels Anne-Marie a grandi, dans une famille où l'on ne parle pas, et qui serait à l'origine d'une culpabilité qu'elle a ensuite retournée contre sa propre fille. Elle était jalouse de vous ou pas, à votre avis? Est-ce que vous avez senti un moment qu'elle nourrissait une sorte de jalousie? Ah oui, ça c'est sûr que quand on disait du bien de moi, surtout quand on disait... Mais c'était pas sur le physique, c'était quand on disait que j'étais rigolote, spontanée, marrante, sympa, tout ça, elle supportait pas. Pour Colette, cette thérapie qui met en lumière tous ces événements passés est salvatrice. Elle l'aide à comprendre enfin le comportement morbide de sa mère à son égard. Ben, disons qu'au moins, je me dis que ça n'a pas vraiment un rapport avec moi. Enfin, c'est pas parce que je suis une mauvaise fille ou parce que c'est parce que quelque part c'est elle qui a des traumatismes et que de toute façon, je n'y suis pour pas grand-chose, oui. Donc déjà, c'est mieux pour moi. En tout cas, cela vous a fait du bien, toute cette période. Ça a déclenché beaucoup de choses, cette psychothérapie. Ouais. Ça m'a permis, ça m'a décoincé complètement. 6 mois après, j'étais enceinte. Mais il y a une question que je voudrais vous poser. À 36 ans, lorsque vous faites cette psychothérapie, vous vous rendez compte que cette mère ne change pas, qu'elle fait tout pour vous détruire, et vous continuez. Qu'est-ce que vous cherchiez? Vous alliez être maman une deuxième fois? Écoutez, moi, je crois que... Je ne vais même pas essayer d'expliquer. Je peux très bien comprendre les gens qui ne comprennent pas. Ça, parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas sain. Ça ne paraît pas sain non plus. Mais quand on court après l'amour, on court après la mort toute sa vie. Je veux dire... Moi, j'ai couru après la mort de ma mère toute ma vie parce que je me disais que peut-être qu'après, elle va changer. Qu'elle va devenir chouette. Je veux dire, moi, j'ai toujours espéré que ma mère allait s'arranger. Qu'elle allait... changer. Ne plus être... ne plus être comme ça, en fait. Moi, je suis très positive, en fait. J'ai toujours cru que je pouvais faire quelque chose pour elle. Grâce à son mari et à ses enfants, Colette parvient à mettre petit à petit de la distance avec sa mère. Même si elle ne communique plus avec elle que par téléphone, elle continue de subir brimades et insultes. Un jour, Anne-Marie ne répond plus et Colette apprend que sa mère vient de subir un AVC. Elle appelle l'hôpital. Là, ça a été la cerise sur le gâteau. Parce que quand j'ai eu la directrice, qui était fort aimable,
Il m'a dit, écoutez, madame, je vous écoute, moi je veux bien vous croire. Il m'a dit, mais madame est célibataire et sans enfant. Je lui ai dit, mais enfin, je suis sa fille et tout. Ah, écoutez, je suis désolée, mais pour moi, vous n'existez pas. C'est-à-dire qu'en fait, votre mère s'était déclarée. Ah oui, elle a fait exprès pour qu'on ne sache pas qu'elle avait une fille. D'accord, elle s'est déclarée célibataire et sans enfant. Oui. Et alors là, moi, je l'ai pris, mais tout est revenu. Ma mère voulait ma mort, et maintenant, c'était clair, c'était sûr. Elle m'avait effacée, elle y était arrivée. Et ça, vous n'existez pas, elle avait réussi, quoi. Je n'existais pas, vraiment. Ouais, c'est terrible. Mais ça a été d'une violence, mais vous n'avez pas aidé la violence de ce truc. Mais ça ne vous empêche pas de voler à son chevet. En effet, moi je crois que là j'ai eu une obsession. C'était que ma mère me demande pardon ou du moins me dise qu'elle m'aime, quoi. Donc vous êtes allée la voir? Oui. Là en fait elle n'avait plus l'usage de la parole. Non, elle ne l'avait plus du tout. Elle était complètement aphasique. Donc comment est-ce que vous communiquez? Alors d'une part elle pouvait bouger la tête et les yeux, et d'autre part elle avait la main libre. Et alors on avait tout très vite on a dit oui, non, enfin en se serrant la main ou pas et D'accord. tout. Et donc c'est comme ça qu'on s'est un peu parlé. Je lui ai dit, même si c'était dur, je t'ai aimé, est-ce que toi tu m'as aimé? Et là, elle m'a lâché la main et elle a regardé sur le côté. Elle n'a plus du tout voulu. Elle est morte ensuite? 15 jours après ma venue. Ça a été terrible. Le jour de l'enterrement de cette dame, à Carmo, donc. Quand on est arrivé à l'église, sur le parvis, avant la messe, on était devant les marches, et puis à 10 mètres, il y avait tout le reste de Carmo, puisque du monde était venu, qui formait un groupe et qui tournait le dos à Colette. Et personne n'est venu lui dire un mot, personne. Ça vous affecte beaucoup, ça? C'est monstrueux. Vous parlez de gens qui ont fermé les yeux. Oui, ouais, ça c'est dégueulasse. On voit là combien la mère de Colette était manipulatrice et combien cette femme a su souffler le chaud et le froid et mettre en place... Il y a des gens qui ne peuvent quand même toujours pas l'admettre, quoi. Ah. Qui disent ce que vous dites là, je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'entendre. Pour moi, votre mère, ce n'était pas cette personne-là. Ça fait 3 ans que votre mère est morte. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, franchement, je vais très bien. Ah, mais je ne dis pas encore que je vais conduire, par exemple, parce que je reste très stressée. Je dis pas. Je sais que je n'aurai plus jamais de grande dépression, par exemple. Je tiens la route. Vous avez confiance en vous? Oui, oui. Et puis alors, ah oui, très important, je connais ma valeur maintenant. Avant, je ne m'appréciais pas, je ne me prenais pas pour quelqu'un de chouette, en fait, je me sous-estimais, voilà. Ouais. Je me sous-estimais et j'avais tellement entendu dire que j'étais nulle et tout ça. Et là, maintenant, je sais ce que je vaux, peut-être que je deviens moi, en fait, que je... Libre, voilà, je me suis sentie libre, 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 légère, libre. Par contre, j'ai toujours cette petite pointe de me dire qu'est-ce que ça a fait aux enfants, parce que quand même, souvent, c'est des générations qui se passent des saloperies comme ça. Ouais. Il y a la transmission de génération. Voilà, et ça me fait peur quand même. Je me dis qu'est-ce que ça a fait, voilà. Églantine et Tristan, les enfants de Colette, ont toujours été au courant du comportement de leur grand-mère qu'ils ont peu côtoyé. Même si Colette a su les élever dans l'amour, je m'interroge sur la part d'héritage que toute cette histoire a pu leur laisser. Maman, c'est quand même un peu une mère poule, une mère qui est sans cesse en train d'essayer de mettre ses enfants en avant et tout ça, donc c'est tout l'opposé. On sent bien que c'est aussi un impact de son enfance, quoi. J'imagine à quel point ça peut être destructeur, en effet, ça doit être... absolument terrible. Moi, je sais que ce que ça a changé pour moi, c'est que on finit par développer une espèce de pif, d'instinct. Moi, des gens de cette nature-là, je peux les repérer très vite, en fait, des fois. Toi aussi, Lortine, à ta manière, t'as des antennes pas possibles. Hein, tu captes des choses. Je sais pas si j'ai hérité de ce captage. T'es plus sur la sensibilité. On va dire ça comme ça. Moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est j'ai l'impression que j'ai hérité de ça, une espèce d'antenne... qui permet de détecter des choses
chez les gens qui peuvent être toxiques. Mais après, ça fait aussi que je suis pas toujours dans mes relations à moi, je suis pas toujours très sûr de moi parce que je me demande des fois si je serais pas en train d'être pas franc ou de faire un truc un peu tordu. Et je me pose beaucoup de questions. Enfin, j'hésite beaucoup à agir. C'est la peur de l'héritage, hein, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, t'as l'impression que ça, d'avoir des côtés obscurs et qui fout de la pétoche, quoi. Pour moi, ça rajoute une couche. C'est un truc en plus qu'on a. Il y a une espèce de conscience que un parent n'est pas toujours bienveillant, par exemple. J'ai tendance à pas trop compter sur ma famille. Elle est là et c'est très bien, mais je vis loin de là. On a toujours du plaisir à se voir quand on se voit. J'ai surtout un entourage. J'ai recréé des familles avec des tas de gens. Et quelque part, c'est une manière de sécuriser, soi-même. D'avoir des gens dont on sait qu'ils sont stables, bienveillants, etc. Pour elle et pour sa famille, Colette a voulu raconter son histoire. Allez, on s'appelle. On s'appelle et on se mail. Dans son livre, L'enfant bonsaï, elle dit sa vérité. Pour que personne, surtout à Carmaux, sa ville d'origine, ne soit plus dupe de la réelle nature de sa mère, mais aussi pour se libérer une fois pour toutes de son emprise, même après sa mort. Au cours de ce film, j'ai été particulièrement frappé par cette incapacité à aimer qui semble être le point commun à toutes ces personnalités toxiques. Une incapacité à aimer, une froideur et une absence d'empathie qui ont un effet dévastateur sur leur entourage, toujours dans l'attente d'une reconnaissance qui ne vient jamais et qui est pourtant fondamentale pour leur équilibre.